Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Paradise Lost, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! En anglais, reste là. T'as oublié de la traduire, on va pas la lire. Il y a un escalier là, je l'avais pas vu, je pense. Très bien, je vais partir. Ceux qui souhaitent se joindre à moi sont les bienvenus. Mais à ceux qui décident de rester, je pose cette question. Où se trouve la limite? Profitez des bienfaits de mon cœur, mais ne témoigne d'aucun respect. Témoignez d'aucun respect, vous ignorez les pouvoirs divins qui vous ont fait don de ce luxe. Si vous décidez de vous prosterner devant moi, les dieux qui ont rendu tout cela possible, venez vers moi, Lushan. Une phrase pour vous, vous autres. Prosternez-vous devant votre dieu. Capacité de traitement est au moins de 50 000 fois supérieure à celle de l'ANIAC américain. La construction repose sur les récentes découvertes portant sur les méthodes de communication neurologique. Alimentée par les faibles impulsions électriques et sur l'activation de certaines parties du Gunning, qui se sent énormément... Ils ne sont normalement pas utilisés. Ça veut dire quoi, Ginnin? Ginnin. Ginnin, Ginnin, Ginnin. Je comprends rien, voilà. Pas ouais, impossible. Il devient rouge, patate, patate. Patata, patato, potato. Je m'appelle Ewa, au cas où tu te demandais. Où vais-je? Ah, la porte là, elle s'ouvre. J'ai mangé du riz avec des boules de poulet. Des boules de viande hachée, là, ma recette. Des boules de viande. Tu es là? D'après ma carte, c'est la partie luxueuse du bunker. Mais je ne vois rien, la plupart des caméras ont été désactivées. Ça devrait voir comment l'élite allemande vivait. Je suis sûr que ça devait être splendide. Est-ce que quelque chose de beau, de chaud? Quant à la vitrine, ta face est tellement laide de la Catherine. Elle en levant, arrête de mettre tes cançons. C'est toi? Je peux entendre tes pas. Oh, un chiffon, un chiffonné. Un mouchoir plutôt. Je suis là. Eh bien, je crois qu'il y a une caméra qui fonctionne ici. Elle est si sale que je ne vois pas grand chose. Je vais essayer de la nettoyer, il n'y a pas grand chose à voir ici. Merci beaucoup, mais je jugerai par moi-même. En fait, tu ne m'as pas dit comment tu t'appelles. Moi, c'est Sangmang. Enchanté, Sangmang. Trouve quelque chose pour pouvoir nettoyer la caméra. Je l'ai dans les mains, j'ai trouvé un chiffon. J'ai trouvé un chiffon. Un chiffon sec ne suffira peut-être pas. Cherche quelque chose à verser dessus. Lise ta salive.
petite pénéas. Un petit chien battu. Rien de langue ici, ça va être bien ça. Soulève ses jambes, ses reins commencent à lâcher. On ne peut plus faire grand chose pour lui. Si on peut faire quelque chose, et tu le sais très bien. Il est trop fatigué pour avoir cette discussion encore une fois. Qu'est-ce que tu attends? Qu'ils fassent s'envoler leurs problèmes par derrière? Jusqu'à présent, ça n'a pas été concluant. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'était horrible. Tu sais quoi? Oublie la caméra. Je n'ai pas besoin de voir ça. Je pense que cette chose ne sera pas nettoyer la caméra. Crache dessus! Crache dans la caméra! Comme si c'était la face à Gwen. Crache, crache. Avec du vin, voilà, avec ça. Ils sont partis, 43 sont revenus, moins 3 personnes. Ça continue comme ça, alors nous sommes foutus, mais c'est ça. Foutus moins la paix. So it. On te pète une jambe. Félicitations. Et Ranel s'est cassé la jambe et le cou. Une pierre, deux coups. Aucun objet de dévotion ou de rituel est autorisé dans le refuge. Vous pouvez déposer de façon anonyme tout objet de la sorte dans cette salle. Si vous êtes surpris en possession d'un de ces objets, vous serez accusé de trahison. Dominica, la cochonne du groupe, alias Gwen. Ça va, c'est pas comme le médecin qui nous a... Quand t'es Bernadette, elle est très chouette, et Gwendoline, elle est divine. Je vois, il m'a tué. Ça a fini en partout, votre histoire avec le médecin? Il a gagné votre cœur? Je vais le tuer.
some cabin in a long, long way from home. Sauvegarde. Hey, est-ce qu'elle pourrait courir, elle serait le fun. La béquille. Ah, il y a une porte, elle est là. C'est-à-dire qu'elle est dans ma face, je la vois pas. Mes frères, lorsque nous avons trompé... Lorsque nous avons trompé pendant la distribution de nourriture... Cela aurait dû être la goutte qui a fait déborder le vase, mais j'étais naïf de croire qu'on pouvait encore les raisonner. Je pense que plus personne n'a de doute maintenant. Nous passons à l'attaque à midi. Gardez à l'esprit que ce sont des gens... que ces gens ne sont plus ceux que nous connaissions autrefois. Il les a endoctrinés. N'ayez pas de pitié pour eux. Il ne vous rendra pas l'appareil. Nommé Charlie le Lapin. Oh. Je commence à me sentir seul. Je suis seul au monde. Alors je me suis dit... J'espère que... Tu t'appelles Awa, c'est ça? Tu as bien dit que tu t'appelais Ewa? Oui, c'est ça. Ewa le lapin. Alors tu es le même nom que cette chose. S'il te plaît, tu pourrais éviter de se comparer à cette machine sans vie. Et en plus, Ewa s'écrit E-W-A et pas E-V-E. Et je voyais qu'on ne faisait confiance. Je crois que je n'ai pas encore complètement confiance. Je te fais confiance, désolé. J'ai une idée. Chacun de nous dit quelque chose sur lui-même, quelque chose de personnel. Je commence. Je me suis rentré de dos dans le cul. Je suis né à Cracow, mais j'ai passé la majorité de ma vie dans un petit village de montagne. Mon père est une sorte de pasteur, il y a beaucoup de fidèles. J'ai toujours été impressionné par ce que dans il avait inspiré les gens. Mais je n'ai jamais connu ma mère à toi. Reviens-toi, quelque chose de pas. Je pense que l'homme sous la photo est mon père. J'ai une fendre à la maison que j'aime beaucoup. Et alors, c'est pour ça que tu es ici. Tu essaies de te retrouver. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir parlé de ça. Ça n'a pas dû être facile. Je devrais continuer. D'accord, merci pour la conversation, Simon. À plus tard, lapin crétin. Mais là, où je vais, là. Où vais-je? Où vais-je? Où vais-je encore? Où vais-je aller ce soir? Petite face laide encore. Où vais-je aller? Où vais-je aller ce soir? N'est pas qu'à liste d'idées. À quatre pattes, regarde la marchandise. Mais je ne sais pas où aller, quelqu'un va-t-il m'aider? Je suis le caribou perdu. Aucun objet de... Ah. Bon.
Je vais aller faire un petit pipi pour me réchauffer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir me regarder? Je m'en irai. Toi et ta grosse face déshabillée. Il m'a donné un surplus de diarrhée. Yeah. Comment faire pour réussir à trouver la sortie? Bon, bah finalement, ça devrait être là-dedans. Y'a quelque chose que j'ai pas vu. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Qu'est-ce que t'as pas vu? Ouvre les yeux. Je suis un caribou et je suis presque aveugle. Et je ne comprends pas pourquoi tu vois pas dans la meute. Je ne vois pas. Une porte devant moi. Ouvre tes deux yeux, mon petit calice, tu n'ouvriras pas. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre, ouvre. Et je vois rien. Ton enfant est laid, est laid, est laid, est laid. Tu es un caribou qui ressemble à un renard. Voyons, qu'est-ce que je vois pas? Ah. Dans ma face. Marche pas. Il faut m'aider là. Regardez. Ouvre les yeux, petit caribou imbécile. Ouvre les yeux, et ce sera beaucoup plus facile. Mais je comprends pas, allez. Comprends rien, viens m'aider. Caribou, le plus fou. Regarde un peu partout, il voit rien, le style de fou. Caribou, aveugle sans tout, il ne voit rien, il ne voit rien, il ne voit rien, le petit caribou aveugle. Je vois rien. Une porte. Il s'ouvre pas. La barre. On est sous la terre. Pas assez de lumière. La 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 la. Putain, je suis pris. Aidez-moi, bande de mongols. Putain, je suis pris. J'ai pas voulu les mongols en passant. Que vous êtes susceptible. Je suis pris.
comprends rien. Aidez-moi, tabarnak. Dust calice. Oh, une échelle. Elle n'est pas à ma hauteur, cette échelle. Aidez-moi, je suis pris. Je ne respire plus, je n'ai plus de vie. Aidez-moi, je suis pris. Aidez-moi, aidez-moi, je suis pris. Je comprends plus, je comprends plus, je comprends plus rien. Aidez-moi, aidez-moi, je comprends plus rien. Aidez-moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut aller, moi je comprends pas. Aidez-moi, je comprends pas. Aidez-moi, moi je comprends pas. Y'a rien, c'est un. Aussi faut y aller. Une grosse face LED d'obsédé. Y'a rien, c'est un. Télé. Tu dois pas monter, ben y'a pas d'échelle. J'ai pas volé, j'ai pas appris dernièrement. Là-bas, ben, on peut pas appuyer sur le bouton. L'échelle, elle est pas là. Avant de partir dans ta bouche. Oh, ici! Ben non. L'ancre symbolise la force dans laquelle nous accrochons à nos valeurs. Des valeurs qui ne sont pas à discuter. Une tempête fait rage à la surface. La tempête nous fouette de tous côtés, mais nos valeurs restent les mêmes. Nos pères, nos mères, nos grands-pères et nos grands-mères, ils ont versé leur sang pour le principe. Aujourd'hui, nous aussi, nous verserons notre sang, mais cette fois-ci, nous vaincrons et nous apparerons notre avenir, nous emparerons de notre avenir. Bon, y'a rien. C'est de la merde, ça. Pardon. Un oiseau, il est laid. Pas une crise de porte qui s'ouvre à l'environ. Environ, environ. Pas une crise de porte qui s'ouvre aux environs. Allez, en bas! Maudite charrue. Le caribou, il a toujours laissé fermer les yeux. Il n'a pas encore compris que les yeux, ça s'ouvre. Passion, Marion, marié, marié doux, devenir mal patient. C'est de calice, c'est dans le noir. Vous avez dit de m'aider, vous autres. Deux membres inutiles. La cloche est l'idiote.
Pas encore des histoires. Tu peux me faire sortir de là? Bien sûr, donne-moi juste quelques secondes pour trouver sur les écrans. J'ai trouvé un autre tube à souvenir, Eve. Nous n'avons pas besoin de regarder, le système n'a pas l'air d'en avoir besoin. Et si je voulais le regarder quand même? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Est-ce que tu as trouvé quoi que ce soit de bien fouillant dans le passé? Pour l'instant, nous n'avons trouvé que des histoires de destruction et de trahison. J'ai trouvé l'homme que je cherchais dans un de ces enregistrements. Je préférerais que tu ne nous fasses pas perdre notre temps avec un autre tube souvenir. Je sais que tu t'en passes. Je veux le regarder. T'es pas ma mère, bitch. Je peux pas t'en empêcher, pas vrai? Analyse du tube. %. Tim, restauration du dernier rapport d'échec. Inconnu, opérationnel à 67%, inactif, opérationnel à 0%, tournant la défaillance. Rediffusion d'enregistrement du système disponible. Canage du niveau de radiation à la surface. À ce rythme, je devrais pouvoir quitter le bunker dans quelques mois. Enfin, si on décide. Hein? Fais l'entrant. Réponds. Ouverture du canal auditif. Lucien, il faut qu'on parle. Eh bien, en voilà une surprise. Que tu me veux le plaisir de tout me parler, Dominique? Je veux négocier. Non, comme je te l'ai déjà dit, la situation est simple. On se partage la nourriture en trois. Vous prenez un tiers, on prend un tiers et le reste sera donné en offrant nos dieux. Dans leur aide, nous n'aurions jamais trouvé la nourriture, nous devons leur rendre hommage. Très bien. Très bien. On se partage la nourriture en trois, mais à une condition, tu enlèves les tourelles. Je les enlèverai un jour ou l'autre. Si tu respectes ta part du marché, pendant les deux prochains mois, alors je les enlèverai. Voilà ça, comme un délai de grâce. Si tu veux que la production continue, tu dois les enlever tout de suite. Tout de suite. Dominique, le truc c'est que je n'ai moins besoin de vous que je crois. Reviens quand tu auras repris tes esprits. Attends, ne prends pas ces décisions activement, je suis sûr. Tu peux trouver un terrain d'entente, Lucien. Elle est coupée, qu'est-ce qui se passe? Tourelle de sécurité désactivée. Elle nous a trompés. Créative absence du canal. Je ne sais pas ce que tu... Tu seras bientôt. Mais je te jure que ça ne finira pas bien pour toi. Trouve-la. Demande mandat reçu. Demande mandat pour Dominique. Remets ces tourelles en ligne, vite. Activation des tourelles de sécurité, habitants localisés. Montre-moi la carte. Ils sont déjà en chemin. Ils ne doivent pas traverser le pont, tu comprends? Retiens-les. Des contrôles de circulation. Fermez la porte à droite. La cherche des armes. Attention, armes blanches détectées. Niveau de menace élevé. Fermeture de la porte. Ça ne marche pas. On doit la faire sauter. On doit faire sauter le pont, tu comprends? Boum boum. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on ne le fait pas, il sera fait de tout ça pour... On aurait fait tout ça pour rien. Activation des tourelles de sécurité réussie. Les tourelles sont à nouveau en ligne. Autorise l'utilisation de la force létale. Assure-toi que personne ne soit sur ce pont ainsi. Quand il explose, il va sans la sécurité. Coucou, attention, il y a des activités. Autorisez l'usage de la force létale. Oui! Tue tout le monde! Attention, perte détectée. Oh, je pense que j'entends tuer tout le monde. Plus de menaces détectées. Commande manuelle d'urgence détectée.
Je n'ai jamais voulu de ça. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. À un moment d'exploser, va-t'en sur la console dev et peut-être qu'endommager. Continuez. Tu m'as forcé à faire ça, bitches. Détonation dans 3, 2, 1. Explosion de jouissance. Caribou est un dieu. Sauvegarde réussie. Go forest, go. Ma face laide. Go forest, go. Tu es tiens bon. Tout est capable. Il est de t'es capable. Moustache le soir. Moustache le lendemain soir encore. Est sorti des trucs en temps. Je vous aimais dans les trous. Dans les tunnels. Dans les tunnels. Tunnel de désespoir, tunnel quand même à soi. Cours, forest. Cours. Cours encore. Papa, rien. Respire pas. Dans le noir, le désespoir. Ce soir, je trouve tes pieds dans le noir. Ouvre la porte. La souris qui est là. Coucou, c'est moi. Beau ici, c'est mon futur chez moi. La pomme du cancer, cancer de musique, gratuit chez Caribou. Caribou qui chez trou. Transition des renseignements automatiques de la billette du système intercom déclenché par la détection du mot clé chèvre. Cette chèvre, il y a quelque chose de bizarre chez elle. Comment ça bizarre? Il y avait des cornes, une queue, une chèvre, quoi. Mais t'as vu ce qu'elle faisait? Des trucs de chèvre, elle reste plantée là. Exactement, elle était debout dans l'herbe et elle n'a pas mangé. Elle a peut-être pas faim. T'as déjà vu une chèvre qui n'avait pas faim? C'est comme un veau qui aurait deux têtes. Tu te rappelles, en 43, la chèvre de blablabla avait mangé toute l'herbe de notre jardin et après elle a mangé ta ceinture et tu devais tenir ton pantalon en place avec une ficelle. Ne fais pas comme si tu ne savais pas qu'une chèvre avait un appétit sans fin. Je te le dis, quelque chose ne tombe pas rond avec cette chèvre. Ben, une chèvre miraculeuse, peut-être que les chèvres miraculeuses sont de plus difficiles avec leur nourriture, espèce d'idiot. Tu croyais n'importe quoi. Si une jolie jeune fille soulevait sa jupe pour toi, tu croyais que c'est par amour et pas pour les 3 kilos de viande séchée dans le cellier. Lève pas ta jupe, Béran.
Bush Golden. Tu vois ce que je vois? Non, où tu es? On dirait une usine de traitement alimentaire. Je ne te vois pas, bitch. Eva, Eva, Eva Maria, où es-tu, ma face de rat? Je ne te vois pas, regarde-moi. Chevauche-moi. Ah, ah. Damon, 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 aide-moi. Arrête la machine. Arrête la machine. Arrête la machine. C'est bon, éteins. La machine, j'ai peur, j'ai peur. Eva, t'es là, tu m'entends? Que tu, j'ai cru que j'allais mourir. Il faut que je dise quelque chose. Je suis Bi. Tu m'as sauvé la vie. Et pas seulement un instant. Quand ma mère est morte, je ne pensais pas pouvoir continuer seul. Il n'y avait plus personne, que je n'avais plus aucune raison de vivre. J'ai voulu partir à la recherche de Lucienne parce que j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés. Et cette personne, c'était toi, pas lui. Toi. J'ai un but à présent. Je vais te retrouver et nous faire un amour à trois. Moi, toi, Gwen et Beran. J'ai maintenant un but dans la vie. Oh, forest. Lettre de requête. Selon le bureau de la colonie, nous devions recevoir 200 tonnes d'épeautres le... Au plus tard, aucune livraison de la sorte a été effectuée. C'est une importance capitale. Veuillez répondre dans la plus brève délai. Votre requête est enregistrée. Le retard est dû à l'incommensurable stupidité des bandits polonais. Ils comptaient faire sauter un poste avancé SS, mais leur exploit a explosé en avance et ont détruit l'entrepôt à proximité qui contenait l'épeautre destiné à Zurzendorf. Nous vous fournissons de l'épeautre dès possible. C'est quoi de l'épaule pour commencer? Charlie, t'es là? Je te vois, Charlie. Charlie! Charlie. Allô, c'est moi, Charlie. Allô, c'est moi. Moi j'ai dit. Go forest, go forest, forest, go.
Les gens sont devenus complètement fous avec cette histoire de foi des ancêtres. Ils veulent des sacrifices. Nous n'avons pas assez de nourriture pour les gaspiller comme ça. Juste pour que les dieux puissent se rassasier, je dois trouver quelque chose de satisfaire les dieux tout en laissant les offrandes intactes. Il doit y avoir un feu, sinon ils ne croiront pas. Et quand je jetterai quelque chose dessus, les flammes devront grandir. Peut-être avec d'elles. Je crois que j'ai vu des lumières dans le genre quelque part. Je dois juste faire en sorte d'éloigner ces sauts du sacrifice où ils risquent de se comprendre. L'arbre creux devrait être l'affaire. Pour le sacrifice, il me faut un trou derrière le feu avec une cellule photovoltaïque branchée à un circuit pour envoyer des impulsions qui augmentent les flammes en dessous. Il pourrait y avoir un récipient pour les sacrifices qui ira tout droit à l'entrepôt. Bon sang! Si j'avais su que j'aurais à m'occuper de matériel électronique, je n'aurais jamais choisi de devenir prêtre. Ah, Jack a dit. Jack a dit de pas faire pipi. Jack a dit, t'es là, Jack a dit, va-t'en par là, Jackie. Vraiment, t'es culotte toasty. Vraiment, toi. Vraiment, tes pantalons. Regarde le caribou. Ils s'en foutent, mec. Les pantalons. Pantalons. Il est vraiment train. Vraiment ton corps. Comment c'était. Le tunnel. Le la voie lactée. Bon, dépression. Étage numéro 4. Tiens, comme la photo, regarde bien. Niveau 4, c'est ici que doivent se situer les laboratoires. Je savais que tu arriverais. Eva? Oui, je suis là si tu as besoin de moi. Oui, ma cocotte, je t'entends, je suis là pour toi. Un coco, deux cocos, trois cocos vides. Je ne vois pas de micro. Comment peux-tu m'entendre? Je ne sais pas. Si le commandant civil fait preuve d'incompétence, compromet la réussite du projet Eve, entraîne la désorganisation de la colonie ou met la suivi de celle-ci en danger, la survie, ne parvient pas à atteindre les quotas de production pendant 3 mois d'affilée, montre des signes d'incapacité maladie mentale ou physique l'empêchant de remplir ses fonctions, il doit être éliminé et remplacé. Hitler, notre ami. Je peux voir le haut de ta tête sur une caméra. Une clé. Comment peux-tu parler de travers ça? Comment ça? Comment ça? On dirait une caméra portable. C'est génial. Maintenant, je pourrais voir tout ce que tu vois. Malade. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Oui, je peux, mais j'ai besoin de son numéro de série. Essaye de trouver un tableau électrique. L'ascenseur est bloqué. Je crois que c'est le même que tu as utilisé tantôt. S'il n'est pas tombé en panne, je ne pourrais peut-être jamais le trouver. Bon. Ne bouge pas, je dois l'inscrire. BA1098225C. Elle devrait être ouverte maintenant. Merci. Plus rien ne peut nous arrêter. Mais non, plus rien. Sauf Beran et Gwen. Il fait perdre notre temps. J'ai entendu ce que tu as dit en bas dans l'usine alimentaire. On voulait juste te dire que je comprends. Je ne sais ce que c'est d'être seul, oublié. Les choses n'ont plus aucun sens. On pense avoir perdu tout espoir, mais il faut continuer d'avancer. Surtout maintenant, on est si proche du but. La salle de contrôle doit être quelque part à l'étage. C'est la vie, enfant, toi. Je suis quasiment sûr que ce n'est pas là. Pas par là, non? Okay.
Ouais, passe. Moi, je pourrais pas passer là, je suis trop gros. Est-ce que ce sont les laboratoires? Il m'a l'air d'une prison. Alors, c'est là qu'ils enferment les criminels comme Gwen? Il semble que je n'ai aucun contrôle dans cet endroit. La structure est beaucoup plus ancienne que tous les autres par ici. Ce n'est pas connecté à l'unité centrale. Ça doit bien y connaître. J'ai beaucoup de temps libre à rester ici sans rien faire. Je suis nu, je chante des chansons de cul. Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment dans la rue? J'ai tué Caribou. Je suis seul au monde. Y'a rien à faire, je suis seul au monde. Chaque semaine. Il devrait demander la permission pour aller en bas. On leur donnait des cartes de performance d'usage unique pour banque appartement. Alors si on veut aller en bas, il faut trouver une carte perforée qui n'a pas été utilisée. Essayez d'ouvrir les cellules. Chaque femme participe au programme que Intelligence devait accorder une carte perforée à usage unique pour bonne conduite. Une carte perforée à usage unique peut être échangée contre une visite au premier étage du bâtiment. Les points de bonne conduite sont obtenus en se pliant aux règles suivantes. Couvre-feu, les femmes ne doivent pas quitter leur chambre entre 21h et 6h30. J'approuve. Les femmes sont tenues d'avoir une hygiène personnelle exemplaire. Leur propreté sera supervisée par le surintendant, qui est moi. Prise de médicaments. Chaque femme se verra prescrite des médicaments à leur médecin traitant. Les femmes doivent prendre ces médicaments selon la posologie qui leur est indiquée. Pilule du viol. Alimentation. Les femmes sont tenues à manger toute la nourriture qui leur est apportée par les surintendants. Juste des grosses courges. Les lettres surmentionnées sont susceptibles d'être modifiées par les médicaments traitants. Ne pas respecter les instructions des médecins traitants et passer de la peine de mort. Approuvé! En tant que spécial, qu'est-ce que ça signifie? Tuer tous les prisonniers qui étaient ici s'agissait de femmes fertiles. Pourquoi? Je ne sais pas. En tant que spécialiste du domaine de la dentisterie, je souhaite attirer votre attention sur les aspects liés aux dents de votre programme. Les recherches ont indiqué que plus de 80% des femmes polonaises souffraient de dents cariées et autres maladies dentaires, affectant de façon négative leur capacité reproductrice. Les maladies dentaires retardent le début de la grossesse et représentent des facteurs importants dans le cas de fausses couches et d'insuffisance pondérale à la naissance. L'hygiène buccale doit être méticuleusement maintenue durant la grossesse. La bile crachée pendant les nausées matinales détruit les mailles. Les femmes doivent en rincer la bouche avec de l'eau après chaque expulsion. Je suggère que chaque femme admise dans le programme reçoive un traitement dentaire complet avant d'être envoyée dans la ferme. Une fois là, elles doivent recevoir du matériel d'hygiène buccale et leur usage doit être supervisé par moi, le caribou, dieu canadien. C'est moi! Ça marche pas, on dirait. Go, Forest, go. Bon, on est encore bloqué.
Superviseur. Au revoir. Le caribou canadien et sa grosse courge qui est le superviseur des lieux. Et toi, respecte Dieu. Pourquoi ça marche pas là? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas vu là-dedans? Je prends pas, je suis. Ah là! Prenons la carte perforée et allons-nous-en. Nous devons rendre hommage aux histoires de ces femmes. Je ne veux pas que leur sacrifice soit oublié. Allons lire les messages. On voit la une. Elle est perforée. Regardez qu'elle a déjà été utilisée. Mais jette-les, tabarnak, elle est pas bonne! Maudite guidoune. Ces dessins. Qu'y a-t-il? Ma mère dessinait comme ça. C'est sûrement qu'une coïncidence. Je serais... Ma chère Slawa, c'était le nom de ma mère. Slawa. En français, en anglais, ça veut dire slut. En français, putain. Pourquoi non? Est-ce que tu aimerais parler de cet endroit, toi? Je te serai à jamais reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Il est exactement comme dans mes souvenirs. J'étais terrifié lorsque tu as réalisé que je commençais à l'oublier. Mais maintenant, grâce à toi, je n'ai plus à m'inquiéter. Il sera toujours à mes côtés. Je t'écris ceci parce que je sais que tu n'aimes pas en parler. Mais j'espère qu'un jour, tu sauras ce que c'est que d'être mère. Tes brefs moments de joie en partage avec nos enfants rendent des moments de souffrance dérisoires. J'ai pris tout. Prie tout Dieu qui m'écoute de te bénir d'un enfant. Bien à toi, Zosia. Zosia. Une belle toilette. Prendrez la toilette chez vous. Ça fait beaucoup de mots croisés. Ok. Un mot à 5 lettres pour le paradis est loin. Enfer. C'est ça. Mais les mots croisés sont déprimants par ici. Pour te parler d'enfer, ils l'ont mis dans le jeu, vous autres, là. Go, forest, go. Elle est utilisée. Ben, prends-les pas, ce qu'elle est utilisée, maudite nounoune. On douterait pas. Jour 3, c'est mon troisième jour ici et je m'émerveille encore des conditions. À quel point le monde extérieur peut-il être horrible si une prison semble être une meilleure option? C'est mon troisième jour ici et je m'émerveille encore des conditions de vie à cet endroit. Tout est si propre que ça ressemble à ça semble stérilisé. Les animaux nous traitent poliment et la nourriture est fantastique. Je n'avais jamais mangé de repas aussi réguliers, délicieux et rassasiants. Depuis... Il veille à ce que nous ayons une activité physique suffisante et une hygiène irréprochable. Il s'assure à ce que nous brossions les dents après chaque repas. Avant d'arriver ici, ils m'ont fait passer tous les examens médicaux inimaginables. Ce serait un
des vacances formidables, sauf que je ne sais toujours pas quoi, où je suis. Pas où je suis, ni pourquoi je suis ici. Et je n'ai personne à qui parler de tout ça. Je partage ma chambre avec Stepha, mais dès qu'on y rentre, elle se met à pleurer dans son oreiller. Et j'ai essayé de parler avec les autres filles à la cafétéria, mais elles ont simplement pointé les murs du doigt avec les regards mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un nous écoute? On dirait que je vais devoir survivre encore un mois, un moment sans conversation. Au moins, je tais-toi, mon cher journal. Bon appétit, si je suis pas là. Étouffe-toi et ta nourriture. Et pendant que tu agonises, dis que le caribou pense à toi. Regarde, celle-ci n'a pas été utilisée. On pourrait partir tout de suite. Cette femme n'était autorisée à aller en bas qu'à quelques rares occasions. Et celle-ci n'a même pas eu la chance d'utiliser son laissez-passer. Ah. Que la vie est violent. Violent par dedans. Bon, la prochaine sauvegarde, on va arrêter. Je vais me laver. Et moi, je suis avec elle. Ne mourra pas. Je suis sa protectrice. Toi, va brosser les dents. Je suis content. Attends, cet arbre, tu le vois? J'ai l'impression de le connaître. Se brosser les dents pour être fertile, on sait tout ça. Le vagin et les dents, c'est connecté. C'est donc ça? Ce qui leur a été refusé, le droit de rencontrer leur propre enfant. C'est quoi, j'ai essayé d'être courageuse, mais là, c'est trop pour moi. Dis-moi quand tu es sorti de là. Maman, c'est ta maman qui est avec toi. Est-ce que tu veux, je te brosse les dents et moi avec elle, elle ne pourra pas, je suis sa protectrice. Protectrice, dents, 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 dents. Elle est où la mise à jour en dedans? Elle soutient concernant la sélection des enfants au programme Kildare Intelligences. Les enfants participent au programme doivent passer un processus de sélection rigoureuse. Dans un premier lieu, les enfants dotés de caractéristiques aériennes. Ariennes doivent être identifiés et seront confiés à des véritables familles allemandes ou, une fois le programme lancé, à des colons. Les enfants restants devront, avec leurs 5 ans ou plus tard, être séparés en 3 groupes. Ceux dotés d'intelligence supérieure à la moyenne seront au disque, le Deutsche Intelligenzia für Kinder, destiné au programme. Ceux dotés d'une intelligence normale préparés au travail, au champ ou à l'usine, et ceux qui sont attardés de quelque manière que ce soit placés dans le programme T4. Les points ne s'appliquent pas aux enfants autistes. Ils sont difficiles à gérer, mais ils ont des résultats impressionnants aux tests. Commandant civil intérimaire du refuge, je voudrais vous informer qu'Urika, une de nos éducatrices, devient de plus en plus vocale sur son mécontentement concernant les conditions dans notre école. Elle considère qu'un environnement confortable, une nourriture exquise, un apprentissage par le jeu, une activité physique régulière, un temps libre suffisant et des soins médicaux de pointe ne devraient pas être gaspillés sur ces ports de slaves. Elle se plaint de que ses propres enfants, des riennes, qui peuvent retracer leur origine sur au moins 7 générations, vivent bien plus modestement et avec moins d'aide pédagogique. De plus, leur éducation est régulièrement interrompue par le besoin de s'abriter des bombardements ennemis. Salut, Nivoyo, ça va, toi?
Ça va, merci, tranquille. Je pense que c'est la sortie. Enfin, apparemment, la salle de contrôle devrait se trouver pas loin d'ici. Eva? Eva, oui? Est-ce que tu peux ouvrir la porte comme la dernière fois? Tu es sûr de vouloir faire ça? Ouvre la tabarnak de porte. Oui, je suis sûr. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Si miner les femmes dans cet endroit, c'est horrible. Je savais si venir ici était une mauvaise idée. Une salle de classe? Cher monsieur, je souhaiterais attirer votre attention sur un problème qui, je pense, est de plus grande importance pour le programme que vous supervisez. Les recherches de pointe menées par Helga indiquent qu'apprendre nos enfants à jouer est un instrument musical a un effet très positif sur leur intelligence, en particulier sur leurs compétences linguistiques et leur perception de l'espace. Les résultats et la méthodologie de ces recherches peuvent être consultés dans la passionnante thèse de doctorat d'Helga Goldberg, écrite par la jeune femme sous tutelle de mon mari et devant être bientôt soutenue ainsi par souci du bon développement mental de nos jeunes colons, je vous demande d'inclure un piano à queue dans les équipements de la colonie car un tel instrument représente le meilleur moyen de pratiquer ses gammes, mais également d'entrer dans le monde musical au sens large. Mon mari est un fervent défenseur de cette idée. Hitler. Un enfant fucké se promène de rangée. Un enfant fucké se promène dans rangée. Un enfant fucké se promène en rangée. Sortant d'ici le plus rapidement. Vive. Ce n'est jamais facile, pas vrai? Faut trouver un autre chemin. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Eva? J'ai grandi ici. Tu n'as pas dit que tu avais grandi dans un village dans la montagne? Si, c'est ce que j'ai dit. Et tu penses que c'était cet endroit? Mais ce n'est pas marrant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tu es sûr que c'est ici? Oui, c'est ici, enfin, je pense. Je ne sais plus quoi, qui croire, quoi croire. Puissant Vélège, la vieille madame a renchaigné à t'envoyer un sacrifice, j'ai entendu le dire. Elle a dit à son mari que c'était un abruti de donner de la viande, pourquoi pas du vieux pain s'il faut donner quelque chose, qu'elle a dit. Elle donne quelque chose juste pour que les gens le traitent pas de radine, alors que, s'il te plaît, puissant Vélère, punis-la comme elle le mérite et récompense-moi ta loyale servante qui veille surtout sur toi avec la santé, la chance et cette bague avec une pierre rouge que madame a volée à cette femme allemande qu'elle ne méritait pas.
Cet endroit est plutôt joli. Tu n'es pas obligé d'essayer de m'aider. Je me demande ce qui a pu arriver à toutes les autres personnes qui vivaient ici. On dirait bien qu'ils sont partis pour de bon. Construit sur une statue comme si c'était une chose facile. Comprenez-moi bien, j'ai construit toutes sortes de choses à mon temps. Quand j'ai construit la charpente et la toiture de la villa d'été pour le chef de la police, il était tellement impressionné qu'il s'est presque fait dessus. J'étais resté en dehors du camp à cause de ça, comme mon prédécesseur qui bâclait son travail. Ces structures que j'ai construites en dehors de Logda pour les bunkers souterrains qui abritaient les partisans du Major Rapido ont été bombardées et pourtant elles n'ont pas explosé. Mais une statue, qu'est-ce que je suis, moi? Une sorte de bûcheron? Sculpteur de bois? Non, je suis un charpentier bon sang. Lucian, il connaît peut-être en Dieu, mais il connaît que dalle en bois. Mais je suppose que dans les dieux sont impliqués, c'est mieux de ne pas en faire toute une histoire. Enfin, bon, j'imagine que je peux bien lui bricoler une statue. Une belle statue, bricoler la belle statue, bricoler dans mon cul. Et toi ta statue, pas plus belle. Et toi ta statue, pas plus belle que mon cul. Tu es la plus laide de ma vie. Accorde-moi le don de matériel, laisse-moi savourer la vue de mon propre enfant alors qu'il apprend à marcher, à parler, alors qu'il grandit et prend soin de mon mari et de moi-même. Dans nos vieux jours, j'ai essayé de me soigner avec de l'huile essentielle d'onagre et de lin de l'extrait de bois chaste. Un ami herboriste m'a donné un mélange d'alchimie, d'aquilée, de feuilles de rue, de meilleau jaune, de lavande, de racines d'accord, de fleurs de soucier, de houblon et de cynodon. Rien n'a marché, les années passent et je crains que mon utérus devienne bientôt stérile. Je fais le serment, si tu m'accordes une descendance, de l'élever de façon à ce qu'elle te respecte et te sévère jusqu'à son dernier souffle, tu es mon dernier espoir. Espoir de l'utérus en feu. Qu'est-ce que c'est? C'est ici que nous nous rassemblons. Mon père accomplissait des rituels sous cet autel. Préparer les rituels pour un voyage réussi. Alors ils sont partis. Ils n'ont pas pu terminer la cérémonie. Il manque des offrandes. Sans celle-ci, le voyage ne serait pas réussi. Que je termine la cérémonie. C'est quoi? Oui, je veux bien. De quoi as-tu besoin? De deux choses, une offrande animale et un objet sacré. À quoi commençons-nous? Où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Je voudrais faire preuve d'imagination à l'usine alimentaire, je pourrais essayer d'attraper un rat. J'ai vu de la viande dans l'espace de l'usine alimentaire. Non, c'est trop loin. J'ai une idée. Va voir derrière l'esplanade, il y a un atelier. Il trouvera une offrande de nourriture. C'est que ça. Et où la nourriture? La nourriture, car moi je trouve rien. C'est ici que j'arrive, hein.
C'est par là la nourriture. Sors-moi les dents de la main tout de suite. Non, on ne finit pas la nourriture au final. Ah, je veux dire, si c'est ce que tu veux. Et où ta crise de bouffe, tabarnak? On a des n'importe à droite. Tabarnak! C'est tout pour le live du jeu Lost, Paradise Lost. Lost la correction sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!